voilà la lave qui arrive. Mais c'est pas rouge. Vous parlez un petit peu de la journée d'aujourd'hui à l'école du Ruisseau. Je vois qu'il y a un volcan juste derrière vous, le projet avec les élèves. Oui, ben en fait, l'école cette année a travaillé toutes les classes sur le volcan. Il y a eu des sorties, il y a eu des nuitées aussi au volcan. Donc nous, notre classe, on a fait uniquement la sortie à la cité du volcan et on a travaillé sur le thème du volcan. Donc on a réalisé des volcans, des maquettes de volcans, des peintures. Il y a aussi un travail scolaire dans la classe qui a abouti à notre œuvre d'art ici présente que les enfants ont réalisée. Du coup, aujourd'hui, le but de l'exposition, c'est de mettre en avant tout le travail qui a été réalisé autour du thème du volcan, mais aussi dans les différents thèmes avec le Cléa, sur le théâtre, les chants, les poèmes, etc. Donc voilà. Et comment s'effectue avec les enfants le travail? Ça a été pas trop difficile ou ils ont été bien à l'écoute? C'est un peu compliqué parce que dès qu'on sort du cadre scolaire, les enfants sont très, très dissipés, on va dire, mais ça va, ils ont pu gérer, ils ont pu travailler calmement et tranquillement. Et le volcan, c'est une thématique, je pense, qui plaît aux enfants. Voir, c'est un peu imaginer, voir l'éruption, le volcan, l'histoire. En fait, ce qu'ils ont appris surtout, c'est que le volcan, il n'existe pas que à la surface de la Terre, mais en dessous. C'est ça qui était le plus important et qu'ils ont acquis pour cette année. Et si vous avez des remerciements à faire aux Tati, aux enseignants, à l'équipe pédagogique? Merci à toute l'équipe enseignante, toute l'équipe pédagogique, les Tati de l'école et à toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans les projets, le projet Cléa, etc. Et à la Maison du Volcan. Voilà. Bonjour Madame Lucas. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui à l'école du Ruisseau pour une petite animation dont parlez-nous un petit peu. C'est un plaisir de se retrouver à l'école du Ruisseau pour la valorisation des projets de l'année. On a hâte de voir un peu tout ce que les enfants ont préparé, danse, travaux manuels, je sais qu'ils font du jardinage. On va voir ça et félicitations par avance à tous les enfants et tous les professeurs, tous les animateurs, tous les accompagnateurs. L'actualité de la commune des Avirons dans Mons Avirons.